Bon, je vais aller enfiler mes fringues de gala. J'ai du boulot en perspective aujourd'hui. Mais le rend plein la vue. Mais dis donc, si ça vaut le coup, inscris-moi pour demain. D'accord. Trouver quelque chose à croûter. Oh non, oh les salauds. Et vite, ils sont en train de tuer Sporty. Ouais, ouais. Fous dans le camp. Le type agressé fréquentait le foyer comme les autres. Il y prenait ses repas, ses douches, il utilisait le téléphone. Et il travaillait ? Plus ou moins régulièrement. Depuis une semaine, il s'était aménagé une planque derrière le foyer, mais auparavant, il était sur le trottoir avec les autres. Les agresseurs portent des masques à chaque fois ? C'est ce que disent les victimes. Ils apparaissent, ils agissent sans dire un mot et ils disparaissent. Des extraterrestres. J'apprécie votre attitude de très pro, inspecteur McCann. Ah, désolé, commissaire, mais j'ai du mal à prendre cette histoire au sérieux. Écoute, ça ne me dérange pas qu'ils s'habillent en fantômes et exécutent des danses rituelles. Seulement, ils agressent de pauvres gens, des victimes idéales. Quand on n'y pense, pas d'attache ni de famille, personne ne se soucie de leur sort. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu vas t'inscrire au lycée Douglas, d'abord parce que c'est tout près, et puis parce que leur programme comprend un département d'aide sociale. Ils envoient des élèves en travaux pratiques au foyer de l'espoir. Qui se trouve juste à côté de l'allée dans laquelle la bande s'est envolée, c'est ça? Oui, il se pourrait qu'ils aient une clé, mais le foyer ne leur sert peut-être qu'à choisir leur victime. Tu vas donc aller au lycée, tu vas t'arranger pour me dégoter quelques satanistes. Je pourrais m'habiller en noir et porter une bougie sur le cœur. Je suis déçu, je pensais que tu trouverais quelque chose de nettement plus astucieux. Ah, attendez, je sais. Quand aura lieu la grande réunion de fin de trimestre, je me roulerai par terre en proclamant que je suis l'enfant de Satan. Excellent. Brillant.
Je savais que tu étais un bon diable. Comment je le reconnaîtrais? C'est le plus beau mec du lycée, tu veux pas te bourrer? Oui, Alan, qu'est-ce que tu veux? Je te retrouve en cours. À tout à l'heure. Oui, à tout de suite. J'ai trouvé ça en ville, j'ai pensé que ça te plairait. Priscilla James, c'est une sorcière qui vivait à Boston au 17e siècle. Je la connais de nom. Je peux venir à la réunion ce soir? C'est trop tôt, Alan. Mais tu m'avais promis. J'ai dit que j'y réfléchirais. Je t'ai procuré la clé du foyer, c'est ça que tu voulais? Oui, d'accord, et après? S'il y a autre chose, dis-le-moi. Tu n'as qu'à demander. Je sais. Alors ce soir, je peux venir? D'accord, Alan. On va faire un essai. Il existe une grande similitude entre les thèmes du Paradis perdu de Milton et ceux qu'a utilisé George Lucas dans la trilogie de la Guerre des Étoiles. Sauf que, bien sûr, dans la Guerre des Étoiles, le diable, ou plutôt son incarnation, a gagné la partie et exerce le pouvoir. Dans le Paradis perdu, Milton nous raconte comment Satan a été chassé et comment il passera l'éternité à essayer par tous les moyens de regagner sa place au paradis. Exactement comme nous. Je trouve ça débile, complètement débile. Votre nouveau camarade de classe n'a pas de problème de timidité, à ce que je vois. Dites-moi, monsieur Malone, j'aimerais savoir pourquoi vous pensez que mon analyse du paradis perdu est complètement débile, comme vous le dites si élégamment. Non, pas vous. C'est Milton qui déconne. Satan n'a aucune envie de reprendre sa place au paradis alors qu'il tient le monde entre ses mains, qu'il a le pouvoir ici et maintenant. Et sur quoi se base cette affirmation catégorique? Alors là, il n'y a que l'embarras du choix. Vous avez les massacres et les tueries, vous avez les petits-enfants qui naissent avec le sida. Il y a le crack, les arbres qui crèvent, les politicards, les parents qui divorcent en prétendant que c'est pour notre bien. Et pire que tout, il y a les nanas qui transpirent sous les bras. Je vais vous dire un truc. Je n'ai aucune idée de la tête que peut avoir le démon. Je sais pas, moi. Peut-être qu'il n'a pas de cornes, peut-être même que c'est une démone. Il est peut-être même qu'une émanation de notre moi profond. Mais en tout cas, il est bien là. Et la vie devient de plus en plus dure dans un monde sans pitié. Je ne vois pas pourquoi je n'en profiterai pas tout de suite, puisque de toute façon, ça ne changera rien. Oui, évidemment, c'est une façon de raisonner originale. Oh, mais ce n'est pas le sujet traité par Milton. Ça m'a intéressé, ce que tu as dit pendant le coup. Ah ouais? Tu pensais? Évidemment, pourquoi je l'aurais dit sans ça? Pour impressionner les autres. Agir pour impressionner les gens, c'est pas mon truc. Je m'appelle Stéphanie Plummer. Stevie. Salut, Stevie. T'as un prénom? Tony. Tony? Tu aimerais rencontrer d'autres personnes, voir de nouvelles têtes? Peut-être, si c'est pas des ringards. C'est pas le genre. Ce sont des gens qui partagent tes goûts et tes idées. On dirait le courrier du cœur d'un journal pour midinettes. Méfiance. Il y a un entrepôt désaffecté en bas de la 5e rue. Ce soir, à 9h. Quel est le programme? Soirée frisson. Garantie. Garantie? Ça alors, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu garantir quelque chose à notre époque. Il y a un tas de choses que tu ignores, Tony. À tout à l'heure. Toi aussi, Alan. T'as l'air très atteint. C'est pas mon type de nana, je suis pas fanat des mangeuses d'hommes, si tu vois ce que je veux dire. Oh, mais je la trouve parfaite. Alors t'es plus brave que moi. Elle t'a dit de venir ce soir? Ouais, quoi il s'agit, t'es au courant? J'ai une vague idée, tu sais. Moi aussi, c'est la première fois. Moi, c'est Alan Michaels. Eh bien, Alan, on va résoudre ensemble le mystère. Tu viens? Prends le lait. J'aime pas le lait. Prends-le, je te dis. Mais j'ai pas envie. Mais c'est pas pour toi, c'est pour le chat. Ah. Fallait le dire avant. Merci. Je te présente le chat. Ah bah j'aurais deviné. Pauli, Adam.
Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Comment ça se fait que tu sois là? Adèle est malade, alors j'ai accepté de la remplacer. Tu voulais me voir? J'ai besoin d'une avance. Je t'ai donné ton mois il y a 4 jours. Oui, je sais, mais j'ai eu pas mal de dépenses imprévues. Bien, d'accord. Alors combien? 20, ce serait chouette. Je serai à la maison vers 9h15. Je suis pas là ce soir. Où vas-tu? Je sors avec des copains. Pas ceux avec qui je t'ai vu devant le lycée l'autre jour, j'espère. Non, un nouveau copain, Tony Malone. Invite-le donc à la maison un petit soir. Mais pourquoi? J'aimerais faire sa connaissance. Oui, bien sûr, pour lui faire passer un examen. J'ai parfaitement le droit de savoir qui tu fréquentes, Alan. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je suis plus un gamin. D'accord, je l'inviterai à la maison. Bon, et ne reviens pas trop tard. Alan? Vous êtes tous là? Commençons. En Ouganda, la moitié des gens sont atteints du sida. Une mère débile a placé son bébé devant les roues de sa voiture et elle lui est passée sur le corps 3 fois de suite. Parfait, génial. Saddam Hussein tue des millions de Kurdes. J'ai dit à mon père que ma mère me trompait. Laetitia Barnes a été tuée le jour de ses 4 ans par une balle perdue au cours d'une bagarre entre revendeurs de crack. Joyeux anniversaire, Laetitia. Il vient d'y avoir en moins de 5 minutes un viol, un accident dû à un chauffard et un meurtre. Plus personnel. D'accord. En moins de 5 minutes, j'ai conduit en état d'ivresse, j'ai violé une femme et j'ai commis un meurtre. Cesse de faire de l'esprit, Malone. Si tu n'as pas envie de rester, prends la porte. J'ai envie de rester. D'accord. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Voyons. Notre dernière cérémonie rituelle a été interrompue. La sélection pour l'entrée à Stanford se fait cette semaine. Donc, notre prochaine mission doit avoir lieu très vite, sinon je risque de ne pas être sur la liste des admis. Tenez-vous prêts, je vous ferai signe. J'irai avec vous. Regardez-le. Quelle ardeur, quelle impatience. Le mot mission sonne bien à mes oreilles. Tu n'as même pas été initié. Qu'est-ce que t'attends pour le faire? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Vous y tenez? Eh bien, d'accord. Nous allons nous marquer. Satan règne sur la terre. 666. C'est le règne de Satan. 666. C'est le règne de Satan. 666. La bête est parmi nous. 666. Satan règne sur la terre. 666. 666. 666. La bête est parmi nous. 666. Satan règne sur la terre. 666. 666. C'est le règne de Satan. 666. Satan règne sur la terre. 666. Non! Voilà ma marque. Génial, Alan. Tu es fort. Tu sais te dominer. Ça suffit, allez! Hé, c'est moi qui décide quand ça suffit. Pas cette fois. Pas des rigolos, mec. Ah ça non, ils sont tarés et stupides. Cet abruti s'est brûlé très profondément et si je n'étais pas intervenu, ça aurait fait un beau méchoui. Et t'as raison, il faut garder le contrôle, tu pourras? À l'aise, mais je me demande ce qu'ils peuvent avoir dans le ciboulot pour faire ces trucs-là.
Ce que veulent les adeptes d'un culte avant tout, c'est te marquer. Généralement, ils essaient de le faire d'une façon spectaculaire. Ouais, mais leur incantation et leur coupure au doigt, c'est de la petite bière, ça va pas loin. Par contre, Alan Michaels lui ferait n'importe quoi pour les épater. Quel nom, tu dis ? Michaels, Alan Michaels. Je l'ai vu hier soir, sa mère travaille comme bénévole au foyer. Donc, elle a une clé. Et est-ce qu'il fait partie du groupe depuis longtemps ? Je crois qu'il venait pour la première fois hier soir. Il m'a demandé de passer le voir aujourd'hui. Parfait. Arrange-toi pour te lier avec lui et avec Stevie aussi. Je suis pas très chaud pour resserrer les liens avec elle. Est-ce qu'elle te fait peur ? Elle me flanque les jetons, je le reconnais. Oui, mais je voudrais liquider cette affaire rapidement. Mac, le genre clochard, ça va être, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pas que je sois du genre délicat, mais... Oh, n'enfonce pas le clou. C'est vraiment pas ce que papa t'a trouvé. Bonsoir madame, je suis Anthony Malone. Ah oui, Alan m'a parlé de vous. Eh bien, entrez. Salut. Tu veux examiner ses dents pour voir s'il est sain ? Alan trouve tout à fait anormal que je cherche à connaître ses amis. Ah non, au contraire, c'est très sympa. J'aimerais que mes parents soient un petit peu plus comme vous. C'est vrai ? Tu as trouvé l'oiseau rare, Alan. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Je dois me sauver, mais j'espère que vous reviendrez nous voir. À bientôt. Tu nous as entendus ? Non, pas du tout. Je suis arrivé et j'ai sonné à la porte. T'as entendu ? Écoute, de toute façon, ça ne me regarde pas. Tu veux quelque chose à boire ? Un soda ? Ouais, va pour un soda. Elle a fait ma chambre. Quoi ? Elle a appris ça au comité des parents vigilants. Tu fais la chambre de ton gosse et s'il planque de la drogue, tu la trouves et ça te fait une preuve. Et tu as une bonne raison pour le coincer. Elle voulait me faire une analyse d'urine il y a à peine un mois. Après ça, elle s'en est prise à mes cassettes. Elle les a bazardées ? Non. On est resté une heure à écouter Metallica d'un air inspiré. Une expérience très émouvante. Je crois qu'elle avait lu une brochure, tu vois, du genre « Soyez copain avec votre enfant ». Elle fait ce qu'elle peut, Alan. Non, c'est pas ça. Ce qu'elle veut, c'est m'avoir à sa botte. Mais j'ai changé, je suis plus un gosse. Tu vas pas me croire, mais ma mère me dit encore ce que je dois porter. Raconte-lui quelques trucs, donne-lui le sentiment qu'elle est importante. Les trucs d'hier soir ? Non, je crois que t'aurais intérêt à trouver autre chose. Tu as fait très très fort hier soir. Stevie a été impressionné. Tu trouves que ça valait le coup ? Et comment ? Ouais. Allez, viens, on se barre, sinon on va louper les cours. Quand j'étais en seconde, il y avait un type, Reading. C'était mon grand copain. On était toujours fourrés ensemble, en classe, à la piscine, au volleyball. Et puis un jour, ma mère a décidé qu'il n'était pas digne de moi. Ouais, mais elle pouvait pas faire grand-chose, de toute façon. Aussi, elle a appelé ses parents et elle leur a dit que leur fils avait une très mauvaise influence sur moi. Ils étaient furax, les parents. Alors ils ont ordonné à Reading de me larguer, ce qu'il a fait, en racontant à tout le monde ce qui était arrivé. Et pendant toute l'année, on m'a traité comme un pestiféré. Merci, maman. Il y a un truc que j'arrête pas de me répéter, c'est que dans moins d'un an, je serai ailleurs, alors le reste, je m'en tape. Depuis un mois, je fais le même cauchemar. Je rêve qu'elle me poursuit jour et nuit sans jamais se lasser. Jusqu'à ce que plus personne au monde n'ait la moindre envie de rester mon amie. Elle t'a encore agressé ? Elle a fait ma chambre. Mais pourquoi ? Parce qu'elle aime son fils. Non, personne n'aime personne, Alan, plus maintenant. Tout ce qu'elle veut, c'est exercer un pouvoir sur toi. Te dominer. Je trouve ça un petit peu simpliste comme raisonnement. Oh, vraiment ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis de ton avis, moi. Très bien, mais ça peut changer. À toi d'inverser les rôles. Comment ? Le groupe peut beaucoup t'aider, si tu l'aides un peu. Dis-moi de quelle façon ? Alan, si tu ne manges pas ton sandwich... Tiens, finis-le. Merci. Il nous faut une victime, Alan. Une victime ? Quelque chose de vivant à immoler. Qu'est-ce que vous diriez d'un poisson rouge ? Une victime qui saigne. Alan ?
Je vais y réfléchir. Il y a une réunion ce soir. On en aura besoin. Je t'ai dit que je voulais y réfléchir. Est-ce que tu pensais réellement ce que tu disais hier au cours d'anglais? Ouais, bien sûr. Mais de là à immoler des victimes, il y a une sacrée différence. Pas si grande que tu le crois. Je te montrerai le chemin. Quand je serai prêt, ok? T'as intérêt à grouiller ou tu dégages. T'as le choix. Et n'essaie pas d'empêcher Alan de suivre sa voie. Alan est libre de faire ce qui lui plaît. C'est bien ce que je dis. Fous-lui la paix. Que je te demande à quelque chose d'effrayant. Je le sais. Je veux être à la hauteur. Oui, je le sais, mais c'est dur. Au début. Ensuite, ce sera beaucoup moins effrayant. La victime que je t'apporterai, tu vas... La tuer. C'est exact. C'est ça le rituel du sacrifice. Je n'ai jamais fait ce genre de choses auparavant. Oh, bien sûr que si. Quand un moustique te pique, tu n'hésites pas à l'écrabouiller. C'est différent. Non, c'est pareil. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Je t'y aiderai. Tu auras même droit à une récompense. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Une petite récompense. Non, je veux plus que ça. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, Alan. Non, je l'ai cherché partout et je le trouve pas. Il reviendra, ton chat, il est probablement en train de faire la fête avec une binette. Pas à l'heure du dîner, il est pas si idiot. Un bon repas, ça se couvre moins facilement qu'une binette. Écoute, mon vieux, prends un plateau, viens bouffer avec moi. Ensuite, on ira tous les deux chercher ton matou. D'accord, je te rejoins. Voilà, c'est fait. C'est bien. Bravo, Alan. T'es avec nous? Ouais, je marche. Prends-le. C'est ta faute, Malone, tu vas me le payer. Stevie, c'était
pas de ma faute. Tu as laissé le chat s'échapper. Je sais, mais les autres aussi. Eh bien d'accord, à partir de maintenant, je te traiterai comme les autres, ça va? Tu sais bien que non. Non, tout ce que je sais, c'est que j'ai été mise sur la liste d'attente par Stanford. Et que si les choses s'étaient déroulées normalement hier soir, c'est une lettre d'admission que j'aurais reçue ce matin. Il y a encore une chance, ça va peut-être s'arranger. Je n'ai pas l'intention de prendre le moindre risque, Alan. Je sais ce qu'il faut faire. Il me faut seulement une personne de confiance. Tu peux compter sur moi. Oui, on verra. Alors, ça gaze? Ouais, c'est la joie, tout baigne. Écoute, à propos d'hier soir, je voudrais... Laisse tomber, je ne veux pas en parler. J'avais l'impression que t'avais pas envie d'aller jusqu'au bout. Ouais, et bah tu te gourais. T'as pas vu ta gueule, mec, t'avais la pétoche, t'étais vert. Oh, dis donc, tu lis dans les pensées, maintenant? Non, pas du tout, mais voilà. Qu'est-ce qui fait croire que tu sais mieux que moi ce qui se passe sous mon crâne? Oh, t'es comme ma mère, tiens. Je veux t'éviter de te lancer dans quelque chose que tu pourrais regretter, c'est tout. Stevie m'avait demandé d'immoler la victime. Mais tu n'en avais aucune envie. Tout ce qui plaît à Stevie me plaît. Et maintenant, j'ai qu'une chose à te dire, fous-moi la paix. Merde. Ça alors, ça me dépasse. Qu'est-ce qui te dépasse? Pourquoi vous changez de fringues? Mais parce qu'elles sont dégueulasses. Celles-ci, malgré les apparences, sont propres. Oui, mais les autres étaient plus dans la note, rapport à l'odeur. Ah oui, ça me fait une belle jambe d'être dans la note. Mais qui est-ce qui doit supporter ma propre puanteur? C'est moi? Ah là, évidemment. Ah oui. Enfin, peut-être que Hobbs pourra vous remplacer de temps en temps quand elle reviendra de vacances. Oh là, doucement, je n'ai pas l'intention de finir mes jours dans la cloche. Au fait, pourquoi est-ce que tu as fichu par terre les réjouissances hier soir? Parce que j'avais pas envie de voir le petit Michaels embringué avec les débiles. Mac, laisse-moi te mettre une fois pour toutes les points sur les i. Ton métier, c'est d'être flic. Et pas assistante sociale ni psychiatre, compris? Si ce gamin a besoin d'aide, Judy s'en occupera, fais-lui confiance. Dès qu'on les aura coincés, lui et sa bande de piquer. Oui, mais je vous répète qu'il ne ressemble pas aux membres du groupe. Alors débrouille-toi pour qu'il les lâche. Rien à faire. Tout ce qu'il veut, c'est Stevie Plummer. Elle a certaines choses à lui offrir et que je n'ai pas. Attends, je crois que j'ai la solution. Tu vas la convaincre de te les offrir à toi, ces choses-là. Commissaire, elle est encore au lycée. Oh, je ne te dis pas d'accepter. Je dis seulement que si tu n'arrives à rien avec Michaels, essaie avec elle ou le diable, si tu préfères. Ouais. Te fatigue pas, je n'ai aucune envie de t'écouter. Stevie, laisse-moi t'expliquer. L'autre jour en classe, tu as dit des trucs très bien, mais tu n'en as pas mis un seul en pratique. Bon, là, c'est différent. Va-t'en, de toute façon, j'ai rien à te dire. Écoute, c'est une chose de discuter et d'émettre une opinion, et c'en est une autre de se trouver nez à nez avec une personne qui veut passer à l'acte. Oui, je sais. C'est là toute la différence entre les chefs et les suiveurs. J'agis pendant que les autres parlent. Comment t'as fait le grand saut? T'es pas sorti de ton lit un beau matin en te disant « voilà un temps idéal pour un sacrifice humain » Non. J'ai vu pendant des années mes parents se comporter en citoyens modèles. Ils travaillaient dur, ils allaient à l'église. Ils étaient bien pensants et très comme il faut. Et tout ça pour quel résultat? Mon père n'est ni riche ni puissant et ma mère n'existe pas. Je ne veux pas finir comme ça. Tu exagères, ils n'ont pas une vie si malheureuse. Oh, les sinistres, c'est pire. Ils sont ce que j'appelle des morts vivants. Et si tu leur demandes pour quelle raison ils consentent à mener ce genre d'existence débile à qui je refuse le nom de vie, ils disent que leur récompense sera le ciel. Moi, je veux pas attendre. Je veux tout maintenant. Et je l'obtiens en agissant comme je le fais. Et tu crois vraiment que c'est le moyen? Oui, absolument. Toi aussi, tu pourrais tout avoir si tu le voulais. Tu as fait la moitié du chemin déjà. Maintenant, à toi de savoir ce que tu veux. Et je sais ce que je veux. C'est toi que je veux. Bon, très bien. À l'entrepôt à 9h. Juste toi et moi. On verra comment tu assures. Bonjour. Bonjour. Tony, n'est-ce pas? Oui, madame. Tony Malone. Est-ce que Alan est là? Non, je ne l'ai pas vu de la journée. Il ne vous a pas téléphoné? Non. Pourquoi? Il se passe quelque chose? J'en sais rien. Disons qu'il est un petit peu tendu, préoccupé en ce moment. C'est pareil à la maison. Il a l'air très soucieux et il rentre de plus en plus tard. Non, faut pas vous inquiéter. J'ai essayé je ne sais pas combien de fois de discuter avec lui, mais c'est comme si je m'adressais à un mur. Eh bien, il faut continuer parce que je suis sûr que d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouverez. Je l'espère bien. Et je suis heureuse que vous soyez son amie.
Je vous remercie. C'est gentil de dire ça. À plus tard. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Ouais. Enlève ta chemise. Se contrôler. C'est ça l'important, être maître de soi. Le contrôle. Le pantalon. Tu es sûr de toi, oui ou non? Bien, Tony. Très bien. Je me contrôle. Et toi? Ouais. On va voir ça. Est-ce que tu te contrôles toujours? Non. Tu es honnête. Qu'est-ce que c'est que ces fringues, commissaire? On laisse tomber l'affaire? Oh non, malheureusement. Mais je voulais me rappeler des faits que ça fait d'être habillé normalement, tu comprends? Même si c'est seulement pour quelques heures. Ah ouais, eh bien moi j'aimerais me rappeler les faits que ça fait d'être normal tout court. Mais je crois que c'est mal barré pour l'instant. C'était spécial hier soir? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Raconte-moi ça. La môme Stevie m'avait filé rancard dans le vieil entrepôt désaffecté. Il y avait des bougies partout. Eh, dis donc, c'est une romantique. Ouais, comme la fiancée de Dracula. Ah, champagne, musique, le grand jeu. En fait, elle n'est pas tellement portée sur les préliminaires. En 30 secondes, nous étions à poil, tous les deux. Oh là là, tu vas finir par me faire rougir, Mac. Ensuite, la voilà qui me roule un patin d'enfer. J'ai cru que mes amygdales allaient se décrocher. Et tout d'un coup, elle se met à parler du diable, de la puissance de Satan, comment il pouvait nous aider à obtenir ce que nous voulions, y compris en ce qui concerne le plaisir sexuel. Est-ce que ça signifie que je devrais te mettre en état d'arrestation pour viol de mineur? Pour tout vous dire, elle se passait très bien de moi. Je commence à trouver ça plutôt malsain. Ouais, c'est plus aussi marrant qu'au début. Non, c'est même déprimant. Écoute, reste en contact avec elle, sans jeu de mots. C'est elle qui nous permettra de boucler cette affaire. Je suis certain qu'elle va tenter quelque chose de grave et qu'on la coincera. Le plus tôt sera le mieux en ce qui me concerne. Pourtant, c'est un bon coup. Alors, tu as rêvé de moi cette nuit? Oh oui. Un rêve agréable? Tout dépend ce qu'on entend par agréable. On habitait une maison en banlieue, on avait trois gosses et un break familial. Ça ressemble assez à un cauchemar. Tu présidais l'association des parents d'élèves et tu faisais d'excellentes tartes aux fraises. T'es vraiment avec moi maintenant?
Noé. Nous allons faire de grandes choses tous les deux. Ce sera le pied. On commence ce soir. Je t'en reparlerai tout à l'heure, quand je serai sûre que les autres peuvent venir. Hé, Alan, où tu étais? Je t'ai cherché toute la matinée. Je voulais t'expliquer. Pourquoi? Y a rien à expliquer. Je comprends. Je sais ce que tu éprouves pour elle et... Oui, mais le destin ne l'a pas voulu. Et puisque ce n'est pas moi, je suis content que ce soit toi. Ouais, si c'est comme ça, on va se revoir souvent. Peut-être à la réunion de ce soir? Attends un peu, t'as l'intention de rester avec eux? Bien sûr. Je ne suis pas allé dans ce groupe seulement pour Stevie. Et je trouverai peut-être un moyen d'avoir moi aussi ce que je veux. Je te demande seulement de te joindre à l'expédition ce soir. Non, je ne viendrai pas avec vous. Je vais faire quelque chose de différent, qu'aucun de vous n'a jamais accompli auparavant. Et que vous n'oublierez jamais. Je t'ai peut-être sous-estimé. Ça, je le crois. Alors, courage. Oh, j'en ai. Je t'avais dit qu'il reviendrait, t'avais raison. Il allait enfin, il pète le feu. Mais je crois qu'il mangera de bon cœur. Ben, c'est normal, faire le joli cœur avec les minettes, ça creuse, hein, brigand? Je suis sûr que la minette a encore plus faim que lui. Maintenant, vous savez tous ce que c'est que dominer. Prendre le contrôle. Conquérir le pouvoir. Oui, Alan. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je croyais que tout le monde devait être là. Il a une autre mission ce soir. Une mission importante. Stanford, c'est fichu pour cette année, Stevie. Tu vas aller tout droit en tôle. Tu m'as trahi, Malone. Ouais, sans hésiter. Où est Alan? Réponds, où est Alan? Voyons, réfléchis, Tony. Quelqu'un qu'il hait, quelqu'un à qui il veut faire du mal. Oh mon Dieu, sa mère, il est là-bas. Je réfléchis. Je me demande ce qui est le plus affreux. Ôter la vie à quelqu'un ou prendre la mienne? Qu'est-ce qui est le pire, à ton avis, Tony? Je n'en sais rien. Moi non plus. À la réflexion, je choisirais plutôt la mienne. Tu comprends, quand on assassine une personne, on t'envoie en prison. Ou chez le psychiatre. Ensuite, t'es réhabilité ou guéri. Mais si tu te suicides, il n'y a pas de réhabilitation. Et surtout pas de guérison. Tu n'as aucune raison de faire ça. Je voulais accomplir un acte qui montre à Stevie à quel point je l'aimais.
Et je me suis demandé qui j'allais tuer. J'ai d'abord pensé à toi. Mais je me suis dit que ce n'était pas ta faute. Ensuite, j'ai pensé à ma mère chérie. Mais le seul tort qu'elle a eu, c'est d'agir comme une mère. Ce n'est pas une raison suffisante pour la tuer. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que quoi que je fasse, jamais Stevie ne m'appartiendrait. Parce que Stevie est exactement comme les autres, ceux qui prêchent les religions officielles. Elle fait plein de promesses, mais elle ne les tient pas. Pourquoi t'as un revolver? Parce que j'appartiens à la police. Ce que nous faisions n'était pas contraire à la loi. Tabasser des pauvres mecs, ça l'est. Et vous avez arrêté Stevie? Ouais. Tu n'as rien à prouver à Stevie, Alan, tu ne lui dois rien. Je voulais seulement la rendre heureuse, lui faire plaisir. Elle le savait très bien, Alan. Elle en a profité, elle s'est servie de toi. Mais maintenant, ça ne se reproduira plus. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Ça va aller mieux. Une réhabilitation? Une guérison. Yeah, commissaire, j'ai pondu mon rapport et tout ce que je souhaite, c'est de ne plus jamais entendre parler de ces zombies. Et moi donc, quel plaisir de porter enfin des vêtements propres et secs. Ouais, je suis drôlement content d'être débarrassé de ces gosses et de leur histoire malsaine. Qu'est-ce que tu dirais d'une bière et d'une pizza? Merci, commissaire, mais j'avais plutôt dans l'idée d'aller au Cinoche, histoire de me changer les idées pendant quelques heures, d'échapper à la réalité en rêvant un petit peu. Vous êtes partant? Et quel film tu vas voir? Un film en trois parties, Cauchemar à l'asile. Ils donnent les trois en même temps. Mais tu te fous de moi ou quoi? Non, la première partie est la meilleure, mais la troisième est assez chouette. Vous êtes tenté? Qu'est-ce qu'on risque? Oh, pas grand-chose. Ah!